Mademoiselle, messieurs, ben, il est loin le temps où le championnat ivoirien de football déchaînait les passions parmi les supporters de la SEC, de l'Africa, du stade. Les gens couraient au stade pour regarder les matchs. Eh bien, c'est... ça, c'était avant, dit la pub. Une certaine époque. Oui. Il faut juste dire que déjà, la Côte d'Ivoire est un pays de football. Les Ivoiriens adorent le foot. Donc en témoignent les années pas très très lointaines. Le stade Fouissoué Boigny était une, on l'appelait la bonbonnière, tellement le public y accourait nombreux pour les grandes compétitions, non seulement internationales, mais aussi les compétitions dont on va parler ici, c'est-à-dire le championnat national, la coupe nationale, la coupe Fouissoué Boigny, etc. Donc depuis un moment, c'est un tout autre spectacle qui nous est donné de voir avec le football ivoirien. Et bon, on va dire le summum de tout ça, c'est les dissensions justement entre les dirigeants du football, etc. Des élections toujours tiraillées, le bilan en Assemblée Générale est toujours très controversé. Au final, il n'y avait que les éléphants pour faire rêver, ou du moins, il n'y a que les éléphants pour faire rêver les Ivoiriens. Quoique. Bon, ben. Non, encore que. Ça va, les éléphants sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique à venir. Et puis bon, quand même, les Ivoiriens ont besoin. Avant ou après les conquêtes des éléphants, de se raccrocher au football national, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Élisée Bolugbo, selon vous, pourquoi le championnat ivoirien ne semble plus faire rêver comme avant ? Ben, vouloir donner ici un diagnostic, ça serait un peu prétentieux, mais je pense qu'on peut plus ou moins essayer de donner quelques esquisses d'explications qui pourraient expliquer le fait qu'aujourd'hui le championnat semble plus faire rêver. Mais il y a un ensemble, pour moi, un ensemble d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Dans un premier temps, il ne faut pas perdre de vue aussi qu'au moment où, donc, quand on parle du championnat qui faisait rêver, c'est les années 90 jusqu'au début des années 2000. Mais en ce moment, nous savons tous que nous n'avons pas trop les regards fixés vers les championnats internationaux. Tout le monde n'avait pas forcément aussi accès aux chaînes câblées. Donc, très évidemment, on était plus concentré sur ce qui se passait à l'intérieur. On avait aussi de nombreux internationaux, au point où aujourd'hui, on peut former deux voire trois équipes nationales de Côte d'Ivoire avec juste des internationaux, ce qui n'était pas le cas à cette époque-là, parce que ceux qui étaient dans le championnat étaient ceux qui jouaient, qui étaient dans la sélection nationale. Mais à côté de ça aussi, il y a le management des clubs, en fait, qui a à un moment été plombé. Surtout certains clubs, par exemple, qui ont été émaillés de nombreux conflits et d'incidents. Je ne vais pas en citer un que tout le monde connaît tous ici, l'Africa par exemple, qui depuis plusieurs décennies, c'est vrai que ça n'a pas fait plaisir à quelqu'un sur ce plateau, mais non, c'est la réalité pas du tout, des faits. C'est la réalité des faits. Vous avez promis de ne pas les citer, je ne sais pas pourquoi. Depuis quelques années quand même, en dehors de l'Africa, il y a aussi d'autres clubs aussi qui ont traversé vraiment des situations difficiles. On a toujours eu des querelles au niveau du leadership, de la présidence. Ça a affecté les supporters qui à un moment vraiment sont refroidis. Parce que les résultats ne viennent pas dans un environnement de conflit. Donc, les supporters qui, eux, n'ont plus senti ce goût-là de pouvoir accompagner leur équipe parce que ne produisant plus les résultats. Mais à côté de ça aussi, il y a le talent même aussi des athlètes, de ceux-là même qui sont sur le terrain. Il faut reconnaître que je ne dirais pas qu'il n'y a plus de talent. Mais à une époque, quand même, je dirais que les talents se comptaient plus ou moins un peu à l'appel. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus ça. Rien qu'à regarder un peu le spectacle souvent qui est servi, on veut bien y aller, mais quand on voit un peu la qualité du jeu, on voit un peu le spectacle produit, ça refroidit un peu. Donc, c'est vraiment un ensemble d'éléments qui, aujourd'hui, amène notre sport, du moins notre football local, à ne plus trop susciter des passions.